Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Voici tout de suite les titres de ce jeudi 18 février 2016. Djibouti condamne l'attentat perpétré hier soir à Ankara qui a fait 28 morts et plus de 65 blessés. Et dans l'actualité sportive, c'est le Real Madrid qui s'impose face à l'AS Roma pour la première sortie européenne de Zinedine Zidane, le nouveau entraîneur du Real Madrid. Bonjour, bienvenue sur Télé Djibouti si vous nous rejoignez pour cette édition du 15h. Suite au décès survenu ce matin d'une des figures de proue du paysage religieux national, Feu Abdi Maalin, décédé ce matin même à Djibouti, le président de la République, Son Excellence Ismaïl Omar Guélé, adresse ses plus sincères condoléances à la famille du défunt et a salué la mémoire de Feu Abdi Maalin. Dans son message, le chef de l'État a qualifié le défunt religieux de patriote invétéré qui a dédié un temps important de sa vie à la préservation et au renforcement de notre unité et cohésion nationale. Feu Abdi Maalin faisait partie des religieux les plus vertueux de notre pays, qui ont pour réflexe de placer l'intérêt national au-dessus de ses intérêts personnels et égoïstes, a déclaré en substance le président Guélé. Il restera longtemps gravé, a-t-il dit, dans les mémoires des Djiboutiens pour son accessibilité et sa modestie, a également écrit le chef de l'État, formulant ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis du défunt, un pieux Djiboutien. Patriarche à la tête d'une importante famille, Feu Abdi Maalin était l'imam de la mosquée Salman. Que le Très-Haut l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. فإنهما خلق من خلق الله فإذا سألك عن ربك فقل لهما الله ربي ومحمد النبي والقرآن كتابي والكعبة. Je vous l'annonçais dans les titres également, suite à l'attentat perpétré hier soir à Ankara et qui a coûté la vie à 28 personnes, le président de la République, Son Excellence Ismaïl Omar Guélé, a adressé aujourd'hui même un message de condoléances à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Dans ce message, le président de la République a condamné un acte odieux, barbare et lâche, et il a demandé que l'expression de sa solidarité et compassion soit étendue aux familles proches et aux amis des victimes. Je forme, a-t-il dit, le vœu d'un propre rétablissement aux blessés. C'est ce qu'a déclaré le président Guélé, indiquant que le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à lui pour témoigner leur sympathie à la nation sœur et amie de la Turquie dans cette terrible épreuve. Les attaques à répétition qui viennent ces derniers mois, la Turquie et moi, qui sont perpétrées en Turquie, sont, a-t-il dit, l'effet des milieux hostiles à l'élan de développement hautement significatif entrepris dans ce pays frère. C'est ce qu'a fait observer le chef de l'État djiboutien, en qualifiant les auteurs et commanditaires de cet acte à terroristes d'agents au service d'idéaux illégitimes et criminels. Dans l'actualité également dans cette édition, c'est le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed qui a présidé ce matin au palais présidentiel la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'entrepreneuriat. L'événement a regroupé sur place plusieurs membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le ministre de l'Économie et des Finances, Elias Moussa Dewale, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dewale, les parlementaires, des représentants du corps diplomatique accrédité au pays, ainsi que des jeunes universitaires de l'Université de Djibouti. Tous ces jeunes étudiants ont suivi d'une oreille attentive les discours qui ont ponctué la matinée de matin passée au Palais du Peuple. Rappelons que cet important événement est destiné à mettre l'entrepreneuriat djiboutien au cœur du débat national. Le but étant d'assurer, d'encourager les jeunes à prendre la relève, de devenir des futurs entrepreneurs, de prendre également le risque
et d'une capacité relationnelle et esprit de compétitivité. Autant qu'ils le sachent, leur engagement nécessite l'appropriation à la fois personnelle et collective de certaines qualités, citant le civisme, le sens du devoir, le goût, l'effort, la capacité, la création, l'entrepreneuriat, qui est aussi sur le thème d'aujourd'hui. Par ailleurs, la représentante résidente de la Banque mondiale à Djibouti, Mme Hamazia Fatouhi, a souligné qu'elle se réjouit davantage de prendre part à cet événement décidé à mettre l'entrepreneuriat au cœur même du débat national. Les activités entrepreneuriales, a-t-elle dit, sont incontournables pour la continuité du dynamisme du secteur privé, favorisant ainsi la concurrence et le développement, a-t-elle poursuivi. De sa part, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dewale, a précisé que l'entrepreneuriat et l'action même de créer de la richesse ou de l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise. Écoutons tour à tour la représentante de la Banque mondiale, suivie du président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dewale. Toutefois, nous notons que le niveau de la capacité des compétences techniques et de gestion existantes dans le secteur privé est faible et constitue un obstacle à l'esprit d'entreprise, l'amélioration de la productivité des travailleurs et le développement de nouveaux produits. Nous notons également que les coûts des expertises, experts techniques, les programmes de renforcement des capacités sont élevés par rapport à la capacité des PME locales pour absorber et investir dans ces activités. Par conséquent, pour aller de l'avant, il est important que les PME et entrepreneurs bénéficient d'une aide directe pour améliorer leurs compétences, savoir-faire et compétitivité. Nous continuerons à inciter les partenaires en charge de la thématique qui nous réunit ici, notamment dans l'aspect accès et financement, formation à soutenir les jeunes créateurs d'entreprises. La Chambre de commerce est sous ma responsabilité, qu'elle sera à vos côtés pour vous accompagner dans les différentes étapes, mais également pour œuvrer et à ce que les problématiques de l'entrepreneuriat restent au centre des préoccupations nationales, même après la fin de ces journées. À cet effet, nous apporterons notre appui total pour la coordination des actions de l'ensemble des institutions concernées par cette question, la vulgarisation des mécanismes existants et la sensibilisation des jeunes pour faire émerger chez eux l'esprit d'entreprendre. Écoutons tour à tour à présent le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Nabil Mohamed Ahmed, et le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dewale. Je pense que dans un monde aujourd'hui totalement connecté, un monde interconnecté, la production future ne se fera plus par une production de masse, mais par les productions par les masses. Quand j'ai dit la production par les masses, c'est chacun d'entre vous, des individus qui dans un garage, dans une cave, dans une maison, seront créatifs d'une idée, et pourront être millionnaires. Prenez le cas de Facebook, prenez le cas de Twitter et d'autres cas. Ce sont des gens, des jeunes comme vous, qui utilisent les mêmes moyens de communication que vous, les mêmes ordinateurs, mais qui ont eu cet esprit de créer un modèle nouveau, être innovateur, être innovant, et qui sont aujourd'hui milliardaires et qui embauchent aujourd'hui des centaines de milliers de personnes. Donc, votre créativité ne doit pas s'inscrire uniquement par rapport à Djibouti, mais s'inscrire dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. J'ai été très heureux de constater lors de d'une de mes visites à Montpellier, on m'a fait visiter une technopole. Je vous assure, dans cette technopole, il y avait une pépinière. Et il y avait, à la fin donc de ma visite, on m'a montré le meilleur projet. C'était un étudiant djiboutien, licencié de l'université de Djibouti, qui avait monté le meilleur projet. Et j'en suis très très fier et on doit le saluer. De par mes voyages, j'ai constaté que beaucoup de pays aujourd'hui, les entrepreneurs, les industries, finance dans les universités. Parce que les gens qu'ils vont former seront les gens qui vont travailler pour eux. J'ai vu des entrepreneurs, des industriels former des gens à un type de soudure pour que tous les gens qui sont formés par la suite soient employés par ces industriels. Et je vous invite, mesdames et messieurs le privé, à venir investir au niveau de l'université de Djibouti sur des formations, à venir enseigner dans cette université de Djibouti. Toutes les institutions qui interviennent dans ces processus seront pour la plupart regroupés au sein d'un guichet unique pour, entre autres, faciliter les démarches administratives qui constituent un frein à la création d'entreprises. Je disais,
sur le guichet unique qui sera mis en place et qui sera opérationnel dans les 3 mois à venir, nous souhaitons voir un guichet unique pour jeunes entrepreneurs qui sera adjacent à cette initiative, à cette institution. Que notre économie, croît à un rythme soutenu de 6%, de 5 à 6%. Notre action gouvernementale doit non seulement viser à augmenter ce taux de croissance en rendant cette croissance inclusive, mais aussi et surtout la rendre plus génératrice d'emplois. Le Premier ministre de son côté, Abdelkader Mohamed, a mis en exergue dans son discours le rôle prépondérant que jouent les entrepreneurs au sein du pays et que le développement du pays en dépend largement de leurs efforts consentis par ces derniers. Écoutons-le. Le gouvernement a toujours eu pour principale mission de répondre aux attentes de la population. Et la population attend aujourd'hui que notre jeunesse puisse prendre part pleinement aux très importantes réalisations que le gouvernement a créées ces 10 dernières années pour développer le pays dans tous les secteurs économiques. Le chef du gouvernement demande avec toujours plus d'insistance que les jeunes entrepreneurs, les jeunes à la recherche de l'emploi, les jeunes étudiants et les salariés puissent prendre part à la relève du développement de notre société en y participant activement. Ainsi, cette journée de rencontre entre des acteurs publics chargés de promouvoir des activités et une partie de la jeunesse prête à s'engager, à prendre des risques pour participer à la vie économique et sociale du pays, caractérise bien la volonté du président d'aller toujours plus loin dans le développement du pays. Je rends hommage aux institutions, aux départements ministériels qui participent directement aujourd'hui et aux autres ministères techniques qui ne sont pas organisateurs mais qui sont aussi très importants dans ce combat, ainsi qu'aux compétences individuelles et institutionnelles qui sont chargées de promouvoir et de susciter l'envie d'entreprendre et de créer de nouvelles activités. Jeunes Djiboutiens et Djiboutiennes, la vraie solution, c'est vous qui la détenez. C'est pour cela que le président de la République souhaite vous rencontrer lors de la conférence sur la croissance d'emplois samedi prochain. Que vous soyez déjà entrepreneur et quelle que soit la taille de votre entreprise, et que, ou bien que vous ne soyez pas encore engagé dans l'entrepreneuriat, le chef de l'État veut vous entendre exprimer vos réserves, vos craintes, vos besoins. Nous savons parfaitement que l'entrepreneuriat ne se développera pas parce que l'administration décrétera qu'il doit se développer. Mais nous savons aussi que l'administration doit lever les verrous qui freinent le développement que vous souhaitez. Et c'est vous seul, jeunes entrepreneurs potentiels, qui pourrez mieux nous orienter. Car ce qui est bien certain, c'est que la création des petites entreprises sera bien plus bénéfique pour l'emploi qui est la constitution des grandes entreprises monopolistiques. Notre tissu économique et social en sera plus fort et les retombées économiques pour tout le pays seront plus importantes avec les petits entrepreneurs. Aussi, c'est ce constat direct avec la population que le président de la République recherche toujours à travers les différents courroies de transmission. Quels sont le gouvernement, l'administration, la chambre de commerce, les syndicats d'employeurs et de travailleurs, l'Assemblée nationale ou les organisations politiques? C'est aujourd'hui notre jeunesse qui est l'acteur principal de ce débat. Les journées nationales de l'entrepreneuriat sont les journées des entrepreneurs. Il vous appartient aujourd'hui de le démontrer.
après donc ces interventions du Premier ministre et des membres du gouvernement, les travaux de ce forum ont démarré par des activités entrepreneuriales menées à Djibouti et les interventions de la directrice de l'OTPIC et coordinatrice du FEMCOM, Oulouf Ismaël Abdou, ainsi que plusieurs figures emblématiques de l'entrepreneuriat féminin. Il y a eu de diverses présentations, telles que des présentations de dispositifs de facilité fiscale du gouvernement par le ministre du Budget, témoignages d'opérateurs privés et témoignages des clubs des jeunes entrepreneurs qui ont retenu l'attention des jeunes étudiants présents au Palais du Peuple. D'autre part, on a eu également l'intervention de M. Kusabek qui, dans son intervention, n'a pas manqué de souligner l'importance d'être motivé par le désir d'aider, d'améliorer et de transformer la société, l'environnement, le système éducatif et les conditions économiques d'un pays. De son côté, Mme Chanta, l'économiste en chef de la région pour la Banque mondiale, a pris monté dans la tribune pour bien sûr préciser et mettre l'accent sur le trait moral que font un bon leader entrepreneur. Il a par la même occasion souligné que l'État doit tout faire pour soutenir les jeunes entrepreneurs à aller de l'avant, de prendre des risques et de surmonter les cas de facilité d'entreprise. Il y a eu divers échanges très animés. La première a trait au noble combat des femmes djiboutiennes qui ont conquis la décennie écoulée une place de choix dans le tissu socio-économique de notre pays. Plusieurs d'entre elles ont su s'imposer au sein de la communauté d'affaires locale majoritairement masculine. Ce trait de caractère commun fait la fierté même de l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui s'est pleinement engagée en faveur de l'autonomisation économique et financière des femmes djiboutiennes. Autre actualité nationale également dans cette édition, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, qui a signé ce matin avec le Dr Mehmet Karaka, recteur de l'Université technique d'Istanbul, une convention de cadre définissant les relations d'entraide et de coopération entre l'Université de Djibouti et l'Université technique d'Istanbul. Ce document a été également paraffé par le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, ainsi que l'ambassade de la Turquie à Djibouti. Cette convention fixe les modalités de coopération entre les deux institutions. Les deux parties ont établi un programme de travail commun dans le domaine de la formation des ingénieurs, des techniciens, qu'il s'agisse de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, mais également la télécommunication, le génie civil, le logistique et la chaîne de transport. L'Université technique d'Istanbul va appuyer ainsi l'UD dans le bon fonctionnement de la filière d'ingénierie. Le recteur de l'Université technique d'Istanbul avait entamé mardi dernier une mission de travail de quelques jours. Je propose d'écouter une interview que notre équipe sur place a pu avoir du ministre de l'Enseignement supérieur. Les programmes de formation de cette université, en plus de la formation des professeurs, il y aura des étudiants djiboutiens qui vont aller visiter l'université et prendre connaissance de tout ce qui se passe, et plus particulièrement sur les technopôles. Bonjour. Dans le cadre de la réforme des filières techniques du baccalauréat professionnel, un atelier de formation des formateurs de 4 jours s'est clôturé ce matin au lycée industriel et commercial, le LIC. Le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Abdelkader Hamed, qui a présidé ces fins de travaux de formation, a notamment mis l'accent sur l'intérêt de cette session de formation qui vise à accroître le niveau de connaissance et de maîtrise des enseignants sur les nouveaux référentiels de formation issus de la réforme des différentes filières du baccalauréat professionnel. Animée par les responsables de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette session de formation visait à mettre au même niveau d'information l'ensemble des enseignants des filières techniques sur les nouveaux référentiels de formation dans les différents baccalauréats professionnels. Au cours de cette session, les formateurs ont mis l'accent sur l'appropriation par les enseignants des contenus des nouvelles formations proposés dans les différents cursus du bac pro. À ce titre, les responsables de la formation ont fait le tour des cursus, des programmes et des diplômes et certifications dans chacune des filières du baccalauréat professionnel. Des vidéoprojections et des présentations ont permis de faire le point sur les nouveautés et les particularités des nouveaux référentiels de formation. Les enseignants ont profité de l'occasion pour mettre au point leurs connaissances et accroître leur maîtrise des nouvelles dispositions dans les référentiels de formation du bac pro pour une meilleure mise en pratique en classe. La préfecture de la région d'Arta a procédé ce matin au démarrage de la distribution des cartes électeurs en présence
du président du conseil régional, Omar Jamal Doua. Profitant de cette occasion, le préfet de la région d'Arta, Abdelahid Al-Aouki, a lancé un appel à tous les habitants de la région d'Arta à venir récupérer leur carte électeur afin de s'acquitter de leurs devoirs de citoyens. Il a en outre rappelé que ces cartes seront disponibles dans toutes les sous-préfectures, à savoir la sous-préfecture de Demerdjouk, celle d'Arta, de Karta, ainsi que les sous-préfectures du chef-lieu. Notamment que ces premières journées de distribution de plus de 200 personnes ont pu retirer leur carte électeur. Actualité sportive maintenant. La finale du tennis de table s'est déroulée hier après-midi au stade Goulet. Les résultats se présentent comme suite. Côté filles, la première place est revenue à Jum'a Ali Geda de Tadjoura. La deuxième place est revenue à Nassim Mahmoud de Balbala. Et enfin, la troisième place est revenue à Daïba Hamoud de la commune de Bloua. C'est côté garçon, simple bien sûr. La première place est revenue à Ramadan Roblet. La deuxième place est revenue à Wabir Abdou de Bloua, toujours. Et la troisième place est revenu à Abdelkader Abdallah de la région de Dikil. Félicitations à tous ces finalistes, bien sûr. La cérémonie des remises des récompenses du dernier tournoi de tennis des tables qui prend fin aujourd'hui. Nous avons organisé des tournois par équipe et simple. Pour la première fois et le premier jeu national de Djibouti, ça se déroule à Djibouti grâce au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et à l'appui du président de la République. Ces jeux se déroulent très bien. Les jeunes sont très contents. Il y a même eu au tennis des tables une petite fille de 9 ans qui a participé et qui a gagné 2 médailles. Nous sommes très fiers de cette organisation et nous espérons que ce type de jeu reviendrait dans les années à venir. Actualité à l'étranger maintenant, comme je vous l'annonçais dans les titres, et vu que le chef de l'État a envoyé un message de condoléances au président turc pour le gouvernement turc qui dénonce donc cette fois-ci une attaque terroriste qui a coûté la vie à 28 personnes et blessé 61 civils. C'est un attentat à la voiture piégée qui visait donc un convoi militaire. L'explosion a eu lieu hier soir à 18h30 heure locale. En début de soirée mercredi, l'attentat n'avait pas été revendiqué. Explication avec Idil Saad d'État. Les gouvernements turcs dénoncent une attaque terroriste qui a coûté la vie à 28 personnes et blessé 61 civils. C'est un attentat à la voiture piégée qui visait un convoi militaire. L'explosion a eu lieu à 18h30 heure locale. En début de soirée mercredi, l'attentat n'avait pas été revendiqué. Cette attaque intervient alors que la Turquie est touchée depuis des mois par la violence et la reprise du conflit kurde. Le premier ministre turc Ahmet Davutoglu a immédiatement annulé la visite qu'il devait effectuer à Bruxelles. L'attaque visait plusieurs quarts de l'armée dans les centres d'Ankara, dans un quartier où sont concentrés plusieurs ministères, mais aussi l'état-major et les parlements turcs. La déflagration a été entendue sur plusieurs kilomètres à la ronde. Selon l'état-major turc, la voiture piégée a explosé alors qu'un des quarts du convoi militaire était arrêté à un feu rouge. En tout, trois quarts de l'armée ont brûlé. Les forces de police turques ont formé un périmètre de sécurité autour des lieux de l'attentat et n'excluent pas que la voiture piégée ait pu être déclenchée par un kamikaze. La capitale turque a été placée en état d'alerte maximum et les forces de police ont ainsi fait exploser un paquet suspect qui avait été trouvé devant le ministère de l'Intérieur. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les terroristes testent notre patience sans nommer qui ils suspectaient. Et en Ligue des Champions, opposé à l'AS Roma, huitième de finale, aller de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, entraîné par Zinedine Zidane, s'est imposé dans la capitale italienne par 2-0, grâce notamment à son buteur providentiel, Cristiano Ronaldo. Idrissa Doita également.
Opposé à l'AS Rome en 8e de finale à l'aide de la Ligue des Champions, le Real Madrid entraîné par Zinedine Zidane s'est imposé dans la capitale italienne 2-0 grâce notamment à son buteur providentiel Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane n'aurait guère pu rêver mieux. Dominateur, le Real Madrid a logiquement battu l'AS Rome en 8e de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse du stade olympique de la capitale italienne. Pour la première joute européenne en tant qu'entraîneur de l'ancienne star des Bleus, les Merengues ont attendu la deuxième période pour prendre le dessus sur les Giallorossi et mettre un pied en quart de finale. Comme un symbole, c'est le redoutable Cristiano Ronaldo qui a ouvert la marque à la 57e minute pour le Real avant d'aller se jeter dans les bras de son coach. Entré en cours de jeu, l'ailier espagnol Ressé a doublé la mise à la 86e minute. Les matchs retour aura lieu le mardi 8 mars au Santiago Bernabéu. C'est tout pour cette édition du 15h. Restez avec nous, bougez pas, tout de suite, c'est les minutes de focus de Negat Fouassid. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est créer, innover, s'affirmer, avoir une liberté, une autonomie, être dans l'action, croire en soi, prendre des risques, c'est un état d'esprit. Un forum de 2 jours de réflexion, d'échange et de concertation autour de la thématique de l'entrepreneuriat est organisé par le ministère de l'Économie et des Finances, chargé de l'industrie. Les Journées nationales de l'entrepreneuriat seront le 18 et 20 février 2016 au Palais du Peuple. Osons entreprendre. L'ONEAD informe ses abonnés que les factures de consommation d'eau du mois de décembre et janvier sont disponibles dans les agences commerciales du boulevard de la République, d'Ambouli, de Belbala et de Région. Les abonnés sont tenus de régler leurs factures dans un délai de 30 jours. Au-delà du 29 février 2016, une campagne de coupure systématique sera mise en place. Enregistrez votre numéro de portable au guichet pour recevoir votre facture par SMS. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des pommades à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal Plus lance la Semaine Généreuse, notre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec la Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute la vie. Pour débuter l'année 2015, nous avons le plaisir d'annoncer une très bonne nouvelle à nos chers clients. Pour marquer sa confiance, Toyota Motor Corporation vient d'accorder à Marine Automotive la possibilité d'étendre la garantie à tous ses modèles. Elle était de 20 000 km ou 15 mois et passera à 24 mois ou 25 000 km. Ceci a pu être réalisé car 100% de nos personnels sont certifiés Toyota. Avec des équipements modernes et de qualité, une infrastructure adaptée aux exigences du constructeur, faites confiance aux professionnels. Voilà, Saïd m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Negat. Bonjour Choukri. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et tu vas nous donner plus d'informations sur l'attentat d'Ankara qui a coûté la vie à 28 morts et plus de 61 blessés, Negat. En effet, le gouvernement de la police, en fait, le porte-parole de la police a annoncé avoir en fait trouvé quelques
quelques personnes qui ont été derrière cet attentat. Donc, le lendemain de l'attentat meurtrier d'Ankara, le premier ministre turc, Ahmed Davutoğlu, a accusé le PKK et les Kurdes syriens d'être responsables de l'attaque perpétrée dans le centre-ville. Donc, ces derniers nient toute implication. Le premier ministre turc, Ahmed Davutoğlu, a accusé jeudi 18 février le PKK et les milices kurdes syriens d'être responsables de l'attaque d'Ankara qui a fait 28 morts et plus d'une soixantaine de blessés. Donc, cette attaque terroriste a été commise par des éléments de l'organisation terroriste PKK en Turquie et un milice et les miliciens, en fait, pour les miliciens kurdes de Syrie. Mmh. Voilà. A déclaré Davutoğlu à la presse, ajoutant que la police avait déjà procédé à 9 interpellations dans le cadre de cette enquête. Donc, le nom de l'auteur de l'attentat est Salif Nekar. Il est né en 92 dans la ville de Amuda, dans le nord de la Syrie. L'organisation terroriste du WPG, en conjointement commis cette attaque, a insisté le chef du gouvernement. Donc, le chef de la principale formation kurde en Syrie, deux partis de l'Union démocratique, a également nié toute implication dans cette bras armé. Donc, l'attentat perpétré la veille. Nous démontons toute implication dans cette attaque et ces accusations sont clairement liées à des tentatives d'intervenir en Syrie, ont-ils déclaré de leur côté. Et depuis samedi, l'artillerie turque bombarde quotidiennement donc tous les attentats, tous les djihadistes en fait qui essayent de perturber le calme de ce pays. Bien sûr. Et en sport, tu vas revenir bien sûr. Voilà, sur match le que j'ai moi-même regardé, que j'ai tout à fait apprécié du début jusqu'à la fin. Voilà. Le match de Real Madrid à la Roma. Voilà, Zinedine Zidane n'aurait guère en fait rêvé mieux. Dominateur de la Real de Madrid a logiquement battu l'AS Roma en huitième de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse du Stade Olympique de la capitale italienne 2-0. Pour la première joute européenne en tant qu'entraîneur de l'ancienne star des Bleus, les Meringues ont attendu la deuxième période pour prendre le dessus sur l'équipe adverse et mettre à pied au quart de finale. Donc, comme un symbole, c'est le redoutable Cristiano Ronaldo qui a ouvert la marque aux 57e minute pour le Real avant d'aller se jeter dans les bras de son coach. Bien sûr, et c'est pour la première, c'est la première victoire de Zizou en tant qu'entraîneur, Negat. Voilà, bravo à lui d'ailleurs. Merci Negat pour ces précisions. Merci également à vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Très bon week-end également. L'info continue sur Télé Djibouti. Surtout, restez avec nous. À bientôt, Inch'Allah. Bye bye. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal Plus lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec la Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Le lait saoudien est disponible sur le marché djiboutien. C'est un lait de qualité que vous trouverez dans